accepter comme ça, puisque je dis à la ça qui fait débat, le président ou encore chef de l'État, il dit donc année ça, c'est on année côté que les baptisés, on année élection, on année énergie, on année référendum également constitutionnel, on année réforme et constitutionnelle. Donc nous-mêmes, nous là, nous pas laisser garder à on intéressé, on invité. Et donc qui ça en réalité qui est comme nouveauté mm-hmm. parce que justement et nous passons à savoir que dans la société a grand pile voix qui en fait a parlé qui levé pour dire que constitution ça lien ce qui nous dynamique donc projet criminel des monde qui dit c'est le projet de, du président Jovenel Moïse pour l'assurer avec facilité d'accord dit et arrière pour que pas gain poursuite contre yo et même si nous connaît tout en fait constitution 87 là qui en application là et tout de suite après et adoption donc par voie référendaire des grands ensemble de réflexions qui fait par exemple si n'a pas songé si me pas trompé moi madame Maniga a écrit un livre autour de question ça plaidoyer pour une nouvelle constitution c'est que tout au départ il semblerait que des problèmes qui ont constaté les gens qui ont réfléchi au niveau de la constitution de 1987 qui est en application et il y a des critiques qui montrent que la constitution ça a des sources d'instabilité. C'est le cas en fait et de l'ancien président René Prival Gagnon qui croit que l'instabilité ça a dû à mode d'organisation et pouvoir l'État, notamment les deux grands pouvoirs publics constitutionnels. Donc, en tout cas, nous allons regarder dans l'avant-projet ça. Et qui ça qui gagne, certainement, comme contenu, qui philosophie, qui ça le produit comme nouveauté, et comment, en fait, et l'APCA permet, société à cette fois-ci, en fait, jouer une stabilité, puisque. Et tant qu'on se dit là, ma peau dit, quand pile le monde dans la société à qui quoi que, bon, écoutez, si en fait nous passons 35 ans, nous avons vécu dans une situation d'instabilité, de crise et constante, c'est ça qui est principale cause là, c'est la constitution. Mais il y a des gens qui ne parlent pas. Moi-même, je ne crois pas que c'est la constitution qui est seule cause qui fait que nous sommes un pays qui est instable, qui toujours une crise et avant élection, crise après élection, crise pendant élection. Mais en tout cas, après-midi, nous, pour faire l'émission, ça demande à tout le monde attention. Et attendez, ça quoi le dire et certainement, on a des possibilités dans le même espace pour que nous attendions en fait. Je vais dire l'autre version contraire. Je vous dis, c'est un conseiller président, un monde qui représentait le pouvoir, l'administration en place, puisque le projet, c'est le projet de l'administration de Jovenel Moïse. Il dit bon, écoutez, ça a comme agenda là, c'est la réforme constitutionnelle. Il croit que son élément important pour que le réaliser avant de quitter le pouvoir. Mais certainement, après une fin de des personnages importants, ça qui viennent sinon, ça qui est comme nouveauté, nous avons dit de l'autre voie, tout qui n'est pas d'accord avec la constitution. En tout cas, c'est ça que fait. Et nous invitons tout le monde, étudiants, à l'université, auditoires, en fait, avisés, prendre plus mou, prendre note pour nous garder, faire un équilibre là, puisque la constitution, c'est un projet, au monde, c'est ça, parce que c'est un projet tout en nation. Puisqu'il concernait la nation, il concernait la société. Il me pensait que c'est dans ce sens-là. Nous-mêmes, dans Haïti Débat, nous croyons qu'il faut exposer ça gagne dans un projet qui concerne la nation hein, au grand public pour certainement nous capables de faire la part des choses. Après-midi, nous avons avec nous le conseiller spécial du président de la République, Richard Doré. Richard, bonsoir, c'est un plaisir pour vous recevoir dans ce cours. Bonsoir Val, et bonsoir à Marco, et oui, bonsoir campagne, puis Gary. Même les Gary pas en salle là avec nous là, même qu'on est quelque part. Et puis nous avons salué tout auditeur de Scoop FM, captant de nous, y compris tout internaute qui a suivi nous tous sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Richard, moi, je vais commencer avec question, ça certainement. Mm-hmm. Président l'a annoncé déjà, année à son année réforme constitutionnelle parmi grand élément, grand chantier que lui-même y envisageait dans le cadre projet. Moi, je voulais poser une question ça. Qui
nouveauté en réalité que société a ka, en tout cas qui gagne avant projet ça et en fonction de nouveauté ça yo société a ka dit bon écoutez son bon projet constitution ça en fonction de philosophie qui gagne là-dedans vous voulez parler d'avant projet a n'a pas embarqué nous pour voter pour certainement lui permettre que Jean tout monde a dit là pays a joint stabilité de fonctionner normalement et Guichard. Bon, merci. Ben avant moi pour une question, là, mais je veux me faire un élément de contexte. Mm-hmm. Parce que mon préféré, c'est l'enseignant qui est là aujourd'hui au lieu que son politicien. Ouais, parce que moi, je me compte que de plus en plus, il faut faire pédagogie dans ce pays. Parce que généralement, nous avons des documents, il y a un peu de monde qui parle. Et puis on réagit sur eux. Mm-hmm. Et puis, le plus important, même nous avons un débat. Et pour faire pédagogie. Bon, dans ce sens, ça m'a dit c'est que le 28 octobre l'année dernière, 2020, un décret adopté en Conseil des ministres créé un comité, il y a comité CCI, comité consultatif indépendant, pour l'élaboration du projet de nouvelle constitution. Dans le décret ça, le comité a gagné 5 membres qui étaient là dans l'année, donc on est déjà, on a pour l'ancien président Boniface, le général à la retraite Éra Abraham, professeur Emmanuel Eloi, madame Jean et professeur Lino. Donc, il y a un mandat. Au niveau de l'article 2 du décret, il y a un mandat pour au moins gagner 7 points qui étaient gagnés comme mandat. Yon la dan yo, c'était pour te préserver les acquis démocratiques du peuple haïtien. Bon, tout le monde connaît que le pays a la bataille pour la construction de la démocratie, autrement dit, l'institutionnalisation de la démocratie, c'est un chemin qui est long. Donc, yon te, dans décret a demandé pour le comité a préserver acquis yo. Ensuite, il te gagne tout pour garantir solennellement les droits fondamentaux du peuple haïtien. Et si possible, renforcer yo. Pour le mandat de gain, c'est renforcer le mécanisme de l'état de droit et rationaliser et préciser la nature du régime politique, clarifier et équilibrer les pouvoirs de l'État, rationaliser l'édifice institutionnel des collectivités territoriales, réaffirmer le caractère démocratique et républicain de l'État, et enfin, pour te en fait, donner prendre en compte l'évolution économique, sociale et institutionnelle pays au cours de ces 30 dernières années sans aller pour ce sujet de mise en place. Au fait, il y a des gens comme mandat. À partir de mandat, il y a défini une méthode de travail. Puisque nous connaissons la question constitutionnelle là depuis puisque 15 ans, il y a un paquet de travail qui fait sous lui. Déjà, il y a le rapport de. En fait, pour moi, c'est peut-être le meilleur document qui est rédigé sous constitution depuis le rapport de Karl Rector et Claude Moïse. Donc, le comité a été la possibilité pour aller consulter l'ensemble des documentations disponibles sur la constitution de 1987. Comme je disais tout à l'heure, depuis une quinzaine d'années, il y a un paquet d'études. Il y a des thèses de doctorat. Moi, m'assister au moins à 3 thèses de doctorat à la Sorbonne, à Paris 1, en France, sous la constitution de 1987. Gagner des travaux, l'État haïtien, même pays, pour le faire. Il y a le rapport de Karl Rector, il y a le rapport de. Bon, c'est un rapport qui n'a pas été sanctionné par la Chambre des députés, de directeur à directeur d'appui dans la commission. Vous avez gagné, monsieur et le sénateur. Augustin également qui a un travail qui a fait. Nous-mêmes, nous avons parlé, le président a depuis 3 ans, nous avons travaillé sur la question de la Constitution. Et nous avons un paquet de documents, par exemple. Mélène Baninga a écrit des ouvrages sur documents. Dovigny a écrit des documents. Il y a beaucoup d'articles qui ont abordé des questions spécifiques de la Constitution en termes d'éléments de problèmes. Question de référendum, et question de parti politique, question de la Cour supérieure des comptes, question de mode de calcul, et mode de scrutin. Tout un série d'éléments spécifiques qui traitaient au niveau de la Constitution, mais dans la mise en œuvre de la Constitution, tu te rends compte qu'il y a des problèmes. Par rapport à l'élément ça, le fin de la fin de tout document, commission a été fait audition. Au moins une trentaine d'experts ont été auditionnés. Ils ont écouté, ils ont fait échange avec eux. Tenant compte de l'échange, ils ont établi un constat. Le constat qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu compte que, à partir de tout échange de documentation, en fait, la base documentaire qui a été consultée et les interviews qu'ils ont fait avec les experts qui ont pour avec
les différents segments de savoir qui en dans un texte constitutionnel, parce que constitution a un paquet de branches qu'il a dans nous, il y a la gouvernance, ou il y a droit administratif, ou il y a l'autre branche qu'il a dans nous, sont le document de la gouvernance globale de l'État. Donc il y a été un paquet d'experts, y compris des questions économiques. Et à partir de ça, il y a fait un constat, il y a constaté trois problèmes, il y a constaté. Il y a un premier, il y a rendu compte que il y a la dépossession du président de la République qui a été élu au suffrage universel direct par le peuple, le seul élu au niveau national, qui dépossédé de levier de pouvoir pour même s'il fait par rapport à la population, il va pas mettre en œuvre. Il y aurait ça comme problème puisque on exécutif bicéphale, parfois qu'on y a un conflit au niveau de l'appareil exécutif. Ça c'est un premier constat qu'on fait. Deuxième constat qu'on fait, on constate l'émiettement des partis politiques puisque on a un régime plus ou moins samedi et semi-présidentiel, faudrait-il que le cap une majorité cohérente au niveau du parlement au cas où tu as un premier ministre pour te cap gagner une certaine relation directe entre le parlement et le pouvoir exécutif pour assurer l'harmonie de la politique gouvernementale. Il a constaté que dans le conseil de l'émettement des partis politiques, l'Iran, l'existence d'une majorité au parlement. C'est pourquoi on n'a pas de texte de loi par voter, toujours un paquet de partis ou une approximation permanente et à la fin des comptes, une législature par exemple, une loi votée. Là encore, ça débat le problème pour voter des lois, parce que le Parlement également pour voter des lois, toujours dans le marchandage permanent, etc., pour voter des textes, etc., puisqu'on n'a pas une majorité stable. Donc, ça, le conseil au fait, le débat est toujours le fait qu'il y ait un problème dans le Parlement, marchandage pour les postes les plus importants au niveau de l'État, que ce soit pour nommer les personnels du système bancaire, les banques de l'État, ou bien au niveau de la diplomatie, ou bien les repostes de l'administration, obligé d'un marchandage permanent avec. On va croire que le pays a qu'à marcher comme ça. Troisième constat qu'il y a fait, il y a eu que la Constitution parlait de décentralisation, mais il n'est pas accompagné d'un mécanisme de transfert de compétences et de moyens pour faire. Parce qu'au cap du fait qu'on va faire décentralisation, mais dans la situation, on a retrouvé tout autre, il y a une compétence. Donc ça rend difficile que vous venez en République Port-au-Prince qui engouffre toute bagarre là-dedans et le reste du pays, il y a la fête. Port-au-Prince est le désert haïtien. Le reste du pays a arrêté pour continuer à l'abandonner. L'animation des politiques publiques n'est pas faite, etc. Donc par rapport à constat ça, quelles sont les conséquences? Ils ont tiré des conséquences. La conséquence, ils ont tiré aussi, mais quel grand échafaudage institutionnel qui était prévu dans la Constitution 87 là, il n'est pas bien cohérent. On dit ça tout à l'heure, manque en cohérence. Modalité de fonctionnement liée, interaction entre diverses actions de l'État, créer un dysfonctionnement institutionnel qui mettait en péril même la continuité de l'action publique. Et nous, ça, pendant toutes les dernières années, ça sert à comme problème. Donc, par rapport à tout problème, ça, CCI proposait trois solutions. Première là, ils sont préoccupés, trois grandes préoccupations. Ils concernaient la consolidation et le renforcement de l'État de droit. Bon, nous connaissons un petit problème qui gagne, même l'État a baissé fait bagaille, mais le mécanisme de l'État des droits, chaque jour, nous doit renforcer davantage. Pour renforcer? Par une mobilisation optimale des ressources humaines, des ressources financières et des ressources économiques. Donc, nous connaissons le pays depuis quelques temps, qui problème qui gagne à niveau ça. Ça permet CCI vient redéfinir les critères ou les règles de la nationalité. Et pour comment pour nous avoir accès à la nationalité, comment pour entrer dans l'administration, etc. Donc, tenant compte de tout problème économique au gain, il y a une nécessité, tout, gros problème de concurrence, l'ordre économique, voter budget, etc. Tout ça, au bas problème, CCI arrive au niveau comme des éléments de préoccupation nationale. Et par rapport à tout ça, l'UN nous compte que la question de l'État, l'efficacité interne de l'État, a un problème. Parce qu'il y a un dysfonctionnement institutionnel qui permet l'État de pas marcher très bien. Deuxièmement, on va toujours jouer à un moment voulu les bonnes personnes à la place qu'il faut, parce qu'on toujours dans une logique de marchandage permanent entre des acteurs politiques, parce que c'est souvent au détriment de l'intérêt national. Et de plus loin, marchandage ça, d'après CCI, met en péril même les intérêts fondamentaux de la nation. Donc, puisque l'État arrive de nos côtés, bah, pour dissocier à bon moment, il va bah, agir tant qu'il faut. Budget, toujours pas, j'aime voter budget ou attend. Gombon, il y a passer 3 ans, on va un budget. Non, budget est conduit. Tout ça, on constitue des éléments, des freins même. Donc, lui pensait que dans toute bagaille, il faut que nous arrivions à un niveau 1. Il y a des problèmes politiques pour nous arriver, pour nous avoir une chambre au niveau du Parlement. Il proposait pour nous avoir une seule chambre, une chambre unique, côté que a une majorité qui est claire pour faire un travail contrôlé, le contrôle de l'action gouvernementale et voter des lois. Et il y a un autre élément comme élément de contexte et harmoniser les mandats. Et tous les mandats au niveau de 5 ans, ça permet de faire quoi? Ça permet de réduire les coûts des mandats également. Deuxièmement, il n'y a pas obligé de faire élection chaque année sur un mandat d'un président, obligé 5 ou 6, 7 élections. Et
Le troisième préoccupation, c'est lutte contre l'impunité. Là, c'est le renforcement des institutions de contrôle, le compte, la Cour des comptes, et mettre la Cour des comptes sur le cœur de son métier, le métier d'audit des finances publiques, et juger les comptes publics, également faire des études d'opportunité sur les dépenses publiques. Et par rapport à tout ça, la justice, affirmer ou bien réaffirmer de façon certaine l'indépendance de la justice, retirer les griffes de son pouvoir, y compris l'exécutif, y compris les judiciaires, sous l'appareil, sous les juges. Ben, la justice voit l'indépendance, c'est pour qu'elle fait travail normalement. Donc, en fait, ça, c'est l'ensemble des constats et des préoccupations que vous avez vu dans le texte. Après, on va voir quelles sont les propositions qui ont été faites au niveau des articles. Mm-hmm. Bon, oui, moi, je vais commencer avec question ça, puisque moi-même. Bon, c'est l'autre monde qui constate tout. Bon, bagarre, on met un pile accent bon, en fonction du constat que le comité a fait. Oui. C'est marchandage, marchandage, marchandage qui paralyse le fonctionnement de l'État normalement. Mm-hmm. Maintenant, nous, comment en fait, dans le texte que nous avons avant projet, est-ce que justement, puisque c'est des équilibres entre les deux grands pouvoirs, notamment pouvoir exécutif et pouvoir législatif, qui fait gagner toute marchandise ça, puisque ça vous fait dans le Parlement, entre le Parlement et l'exécutif à travers en fait tout mécanisme nous connaît. Mm-hmm. Est-ce que Jodia, avant projet ça, donc pouvoir yo vraiment équilibré, c'est-à-dire dans la logique de Montesquieu, ok, d'accord, arrêter évidemment, évidemment. Déjà, ce qui a été proposé par le CCI, c'est que by la justice a toute indépendance. Aujourd'hui, dans le projet que CCI proposait, les juges, par exemple le juge de la Cour de cassation, ce n'est pas Parlement qui a proposé. C'est CSPJ qui a proposé et le président n'a que fait nommer ces gens. Ok? Parce que tout juge a entré dans le système de concours, au passé, développement carrière, ou assuré. Donc la justice est indépendante dans le texte. Par exemple, on ne peut pas porter ce dossier au bail des commissions au niveau du Sénat ou au niveau de la Chambre des députés. Non. CSPJ, c'est un pouvoir, comme les autres pouvoirs, eh bien, pour entrer dans CSPJ, il y a l'école de la magistrature. Alors, au niveau de l'appareil judiciaire, pour entrer, on va passer en concours, on va développer carrière, et le conseil du supérieur du pouvoir judiciaire, c'est lui qui a contrôlé tout le bail. Sauf que le président de la République, comme chef de l'État, pour le faire, c'est assurer nomination Mounsa au CSPJ pour le publier dans le journal officiel. Aussi simple que ça. Maintenant, deuxième aspect par rapport à la justice, bah, donc, maintenant, grand changement qui fait, nous n'avons pas un commissaire du gouvernement d'après ce qui a été proposé. N'a pas pouvoir, et puis là, ouais. Donc, comme nous commençons par pouvoir judiciaire, on aura pas de commissaire du gouvernement, des procureurs de la République. Les magistrats. Debout, si vous voulez, ou bien magistrat siège, toujours élevé du CSPJ, mais c'est le ministre de la Justice, sous rapport motivé du ministre de la Justice, et le président de la République a bien pour nommer les procureurs de la République. La justice indépendante. C'est on président seulement soit on voit de nomination seulement pour faire. Faut qu'on compte pour officialiser tout le c'est nomination. Donc, maintenant, s'il y a des dysfonctionnements en dans justice, le président a toujours demandé au CSPJ pour faire des enquêtes, comme le chef de l'État. Mais c'est toujours un pouvoir. Là, il agit pour entrer veiller aux bonnes marches des institutions. Mais il n'aura pas intervenu dans le champ du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant complètement d'après ce qui a été proposé dans le document. Maintenant, en termes de pouvoir, le Parlement, aujourd'hui, il y a des déficits. Avant d'aller dans le Parlement, on va traiter dans le pouvoir judiciaire. Où passe le changement de nom hein? Appellation qu'à résoudre problème que nous gagnons. Ou est-ce plus profond que ça? Non, un commissaire de gouvernement avec un procureur de la République. Non, 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 non. Gagner dans le texte là, parce que vous arrivez là, la disposition finale, il y a un paquet de travail qui n'est pas fait. Écoutez, c'est pourquoi le travail est un travail des citoyens. Et bien, où est le texte là? Mais nous gagnons des règles, pas de loi sur la justice qui va le moyen pour solidifier, etc. Bon, maintenant, carrière, par exemple, M. Saoula, il passe, non, il ne va pas révoquer n'importe qui là, parce qu'il faut développer une carrière pour qu'il s'en poursuive une sécurité. C'est parce que nous n'avons pas de possibilité pour développer carrière dans le depuis que nous passons concours normalement, je pense que moi-même, mon administration, malgré la passe de la guerre, même qui fait carrière normalement, qui passe dans le concours, qui développe. Donc, c'est on tend vers ça. Donc, maintenant, par exemple, d'accord, c'est pas non seulement, il y a les pratiques également qu'il faut en tenir compte. Mm-hmm. D'accord sur ça. Les pratiques, c'est les hommes. Mais on espère qu'on aura des hommes et qui sont bien intégrés de la dimension démocratique et les réformes qui proposaient dans le sens de l'amélioration de la situation. Donc, c'est dans ce sens que ça me passe. Donc, il n'y a pas que seulement les noms, mais il y a également des formations. Par exemple, vous parlez de carrière. Et nous comprenons vraiment et si toutefois, poste la permet que les gens qui, commissaire gouvernement et procureur, ont certains pouvoirs que vous avez fait carrière là-dedans, ça a fait liberté pour l'agir
ouais ça me dit là en toute indépendance donc là ça les cabaye de meilleurs résultats mais l'on prend CSPJ ou prend cours de cassation ou prend cours supérieur des comptes et c'est l'institution que la loi couvre il a même créé une juridiction spéciale pour eux et juge qu'il a dans eux inamovible ça va empêcher que il a toujours fonctionné. Donc ça y est la culture. C'est la culture. Et c'est ça qui fait grand pile monde. Et ça fait grand pile monde qui même quoi que problème n'est pas dans changer constitution lié et dans monde lié puisque bon c'est de monde qui grand pile pouvoir parce que ou connaît on nèg qui juge dans cour cassation grand pile pouvoir ou mon femme. Il grand pile pouvoir. On juge dans cour supérieur des comptes, il grand pile pouvoir. Mais on nous garde qui ça vous fait de pouvoir que vous gagnez. Parce que pour les bagailles, vous êtes inamovible. Pour les bagailles. Deuxièmement, la loi crée une juridiction spéciale pour vous. Écoutez. C'est vrai, vous êtes inamovible, mais je vous là, je vous dis, la négative, vous pouvez les mandats de balouver, vous pouvez renouveler. Puisque mais vous, là, vous attends, disons. Attends, oui, mais écoutez, mais vous comprenez balouver dans 9 années, vous avez des dossiers dans le même traité. Or, ce qui a été proposé là, il casse ça. Puisque ce n'est pas l'autorité politique qui peut faire sélection. C'est la justice, c'est l'autorité judiciaire, alors l'autorité de contrôle de la justice qui est CSPJ qui a fait travailler ça. Donc, c'est la justice. On ne pourra pas l'interférer dans ça. Donc, bon, c'est une question peut-être pour garantir également l'indépendance de la justice pour qu'elle fonctionne très bien parce que pas gagner et ça me donne ou bien des parlementaires qui va venir pas faire pression etc c'est la justice alors maintenant ça qu'a évité que ce n'est pas maintenant comment t'es qu'a évité pour vivre en forme de corporatiste qui a hypothéqué le devenir de la démocratie dans ce pays moi c'est l'autre avis moi et pas ce sont venus qui pas non mais maintenant des contre-courants au niveau de la société des organisations des droits humains la presse également les gagnants des cas comme ça il a fait ce qu'elle a fait à ce moment là parce que la justice elle a fait des citoyens tout le monde désigne justice dans le pays c'est une demande sociale. Donc maintenant, une fois que tu as gagné, ça me passe c'est l'autre avis. Non, pour la culture, c'est pas la formation, également pas la vigilance citoyenne, donc à agir sur ça. Parce que la culture, c'est pas des matins où on va changer, parce que les pratiques, il y a qui la vie dure. Donc c'est pas des matins où on va changer. Mais nous espérons que la société a admetté le son boussole, et puis les organisations des droits humains, tout en fait des rapports, nous souhaitons que dans ce sens-là, qu'à permettre une nouvelle mentalité. Bon. Mais ce qui est très important, c'est dans les textes qui vont mettre l'expression, visible, et c'est des droits positifs, faut pas gagner difficulté, pour pas bailler des magouilles, pour des policiers comprennent que les à jouer sur la carrière de magistrat. Ça, il était dit, bon, c'est ça, en termes de ça, c'est au niveau de sécurisation du processus judiciaire. Bon, mon cher, bon, tout de ça, ça arrive que pour voir, vous avez toujours gagné des velléités pour changer le loyau. Et les a changé, vous mettez dans la tête que vous changé au profit de la population. Même les pile monde toujours conclut que pour voir, changer le loyau assez souvent pour pérenniser la tête. Et Jean Valto dit tout à l'heure là, nous allons changer tout pour assurer à rien. Et tout à l'heure, nous allons finir. Il y a un amendement qui fait sur René Breval. Parce que vous trouvez que René Breval a dit son sous instabilité de la constitution, il y a un amendement. Tant pour le soutenir dans le Parlement, pour arriver dans le palais, il y a un changer. Bon, tout à l'heure, il y a un changer. Mais malgré ça, Matéli, venez le bon moment. Il publie la constitution. Il est en vigueur. Mais, bon exemple, c'est pas bon. J'ai voulu monter au conseil électoral provisoire dans la constitution 87 là. Et qui t'a travaillé sur félicité là, Claude Moïse, etc. Qui t'a travaillé sur la constitution ça, il y a quoi que le problème dans sorti dans Jean pour te former conseil électoral permanent à l'époque, il est venu dans l'autre formule. Mais la constitution ça a ligné plus que 10 ans là. Non, attends, encore une fois, ça a tout le passé. Il ne pas monté. Non, tout à l'heure. Il ne peut pas monter. Pas pour nous pas avoir ça. Et il y a une dimension du travail du CCI, c'est la rationalisation des mécanismes de prise de décision au niveau de l'État. Là, pour qui ça a coûté CEP à pas monter, parce que le mécanisme. Même les autorités du bâtiment de la collectivité de débat et trois pouvoirs, mais là où vient le Parlement, c'est une pour assembler à voter, mon Dieu. Or, il se trouve que il y a un groupe dans l'Assemblée qui dit qu'il y a des gens dans le prochain pour le bail.
de pouvoir arriver jeune trois mon et maintenant le problème de pouvoir. Or, ce qui a été proposé ici par le CCI, c'est que puisque le président de l'Assemblée nationale lui déjà est élu par ses pairs pour diriger l'Assemblée, donc le rationaliser pour ça lui-même l'a proposé au nom de l'Assemblée. C'est vrai qu'il y a des mécanismes internes, mais on va pas entrer dans ça là, qu'il y a une loi organique qui va organiser, mais il y a un monde qui connaît, on va pas dire c'est l'Assemblée pas responsable, il y a rationalisé. Donc il y a un effort de rationalisation qui est fait dans le travail de CCI, dans le mécanisme de prise de décision d'État. S'il y a un reproche qu'on doit, moi-même personnellement, faire avec le texte 87, le texte n'était pas rationalisé. Il quittait trop espace pour marchandage. Donc, vous connaissez, c'est acteur politique. Depuis qu'il était passé, et vous, ouais, la sociologie des organisations. Donc, comme ça, depuis qu'il y a des zones d'incertitude, acteurs ont exploité. Donc, il ne faut pas quitter, réduire au maximum les zones d'incertitude dans le texte de construire pour cabager. Donc, maintenant, c'est si fait. Tout est réglé maintenant? Non, pas toujours rien. Donc, réduire davantage. Tout ça, on va réduire les zones d'incertitude. Donc, pour rationaliser. Cet effort est fait dans le travail du CCI. Donc, ou après, par exemple, pour tout côté que pour nous, nous c'est le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, le président de la Cour cassation qui a proposé. Vous connaissez trois mondes. Trois mondes, vous connaissez capable. Il y a un effort de rationalisation. Il y a une autre... à gouverner. Aujourd'hui, le président de la République ne gouverne pas. Il y a un premier ministre qui est le chef du gouvernement. D'après le projet qui est proposé par le CCI, le président de la République qui était négocié politiquement devant les électeurs, il gouverne. Il est le chef du pouvoir exécutif, le chef de l'État et le chef du gouvernement. Il gouverne. Donc il y a séparation nette. On n'a pas eu l'exécutif bicéphale, de supprimer poste premier ministre, il y a avec un vice-président qui est en même temps au président, ça permet de sécuriser le mandat au cas où le président a destitué, il a mouru ou bien il a démissionné. Donc restant le vice-président, la prendre pour aller avec. Dans l'autre bagaille qu'on fait au niveau du pouvoir exécutif, c'est que les ministres, c'est le président qui a nommé. Le président va pas négocier avec parlementaire, sorti. Tu vois, par exemple, en République dominicaine, le président Bernadel, l'hypothèse à 10h, à midi, M. Gotan nommé ministre, à midi, M. Fabri, le conseil des ministres. Donc, voilà, on processus de rationalisation des mécanismes de prise de décision. En Haïti, le président finit élu, d'après la constitution, ça, ou fait 7 mois, chaque marché dans tout le pays, il n'y a pas de négocier, à dernier monde qui va être d'accord avec pour mettre au gouvernement. Donc, maintenant, il y a un effort de rationalisation des mécanismes de décision. Donc, ça a été le Parlement. Après, dans le domaine Bali, l'exécutif a conduit la politique gouvernementale. Il y a un pouvoir que le Parlement toujours. Le Parlement a toujours gagné dans les postes, des hauts postes élevés. Il a toujours, par exemple, le directeur général de la police, et pour le conseil d'administration des banques, et pour les chefs d'état-major de l'armée. Et pour ces grands postes, le Parlement a toujours dit mot sous lui. Mais il y a un temps pour agir, pour ne pas handicaper l'État. Il y a une majorité de 3/5 pour le, une majorité négative, s'il n'est pas d'accord pour ne pas passer. Il y a 15 jours pour réagir sur lui. Donc tout ça, ce mécanisme de rationalisation pour éviter le marchandage. Même si nous connaissons, comme d'habitude, il y a la sociologie, il y a les actes égales, mais il faut réduire davantage, il ne faut pas quitter l'espace. Ça gagne également le mécanisme de contrôle. Les institutions de contrôle sont renforcées.
la Cour des comptes renforce. Alors, avant d'arriver là, et comme son pédagogie que tu as fait, oui. C'est bon, tu comprends ça tout, oui. C'est ça que fait. Oui, mais il faut que tu me expliques. En fait, il y a un bagage où insister sur les lampes. Oui. C'est la question de la sociologie, la culture politique, les fondamentales. Oui. Et pour moi, je pense que un texte capable d'adopter, il doit adopter en fonction de paramètres. C'est évidemment. Pays, etc. Certainement. Et très rapidement, je dis doré, et on rappelle certainement pour peut-être des jeunes qui ne comprennent pas ça, et la constitution 87 là, lui-même, il était justement inscrit dans la dynamique pour faire une rupture avec les pratiques dictatoriales, puisque de 1804 à 1986, mm-hmm. Nous connaissons dans le pays les régimes dictatoriales et présidentialistes. Moi, bien dit, pas de régime présidentiel, moi-même. L'organe des volumes de pouvoir, l'organe de passer en revue des constitutions, ouais, c'est des régimes présidentialistes. Maintenant, et ça fait que ouais, dans la constitution que nous avons là, le Parlement a gagné un ensemble de pouvoir. Et c'est ça qui fait que des réflexions qui montrent que c'est un régime d'assemblée. Oui, l'assemblée, il veut dire ça, il veut dire. Si, donc maintenant, est-ce que là, non pas nos processus pour nous sortir dans un régime d'assemblée et pour nous tourner dans un régime présidentialiste qui nous a rejeté d'affaires de monsieur. Non, du tout pas. Ça, c'est que nous, l'exécutif, si on est pour la séparation des pouvoirs, le texte qui est proposé par les CCI est bon. Si on est pour la confusion des pouvoirs, donc il faut le rejeter. Et c'est vrai, une société, il faut choisir. Si on est pour la séparation des pouvoirs dans le sens de Montesquieu du terme, il faut l'accepter. L'exécutif reste dans son domaine, dans son champ de compétences. La justice reste, bon, le pouvoir judiciaire reste dans son domaine de compétences. Le législatif reste dans son domaine de compétences. Même si pour le bon fonctionnement de la nation, il va avoir des échanges, des espaces de concertation. Il y a toujours ça. Mais dans des attributions en termes de compétences de chaque pouvoir, il est clairement défini. Alors, ça qui fait, par exemple, pour n'aller toujours pas quoi que son régime présidentialiste, c'est un régime présidentiel classique qui est proposé là. Parce qu'il y a des contre-pouvoirs. Si pas de des contre-pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, c'est les pouvoirs publics constitutionnels. Tu l'as dit tout à l'heure. Mm-hmm. Par exemple, la Cour des comptes. Hein? La Cour des comptes est renforcée dans son mécanisme d'audit. Et la Cour constitutionnelle, vous avez des forces de contre-pouvoir. On parle même j'avais de gagner un régime présidentialiste, même avant Duvalier. S'il n'y a pas ça, et il y a le contrôle de la constitutionnalité. Et deuxièmement, pour éviter problème que nous avons, par exemple, ça texte fait là, le président de la République. Pour chez cabinet c'était qu'à il va pas intervenir dans le domaine de la loi si j'en de café même j'ai décrit avant là. Ce qui est fait dans les textes, on a rationalisé le parlementarisme haïtien. Donc il y a la définition, la différence entre le domaine de la loi et le domaine des règlements. Ou au moins puisque 26 items qui développent qui sont les domaines de la loi. Et tout ce qui n'est pas dans le domaine ça qui pas spécifiquement dit ou cap là dans le domaine des règlements. Par exemple, pour changer nos ministères par exemple. On n'a pas besoin de loi pour faire ça, parce que c'est le domaine de l'exécutif. Un ministère relevé de la sphère de l'exécutif, du pouvoir exécutif, pour qu'on structure à l'intérieur de l'exécutif. Ça, c'est le domaine des règlements. Donc ça, la permet de rationaliser le travail du Parlement, et pour le Parlement aller plus rapide pour voter des lois, pour nous éviter, ça me donne une inflation législative, pour nous avoir vraiment des textes qui correspondent vraiment aux besoins du pays. Donc maintenant, là, alors, à élargir. Maintenant, ce qui est fait, puisque il y a la rationalisation du travail du Parlement, en termes de politique, des textes législatifs, Parlement qui a fait plus travail contrôlé. Puis si on a un problème dans la lutte contre la corruption, c'est pas si contrôle n'est pas fait, oui. C'est qu'un contrôle qu'on fait tout le temps. Il y a difficile, oui, pour les gars faire des bagages. Maintenant, ce qui est fait toujours au niveau du travail du pouvoir de contrôle, il y a la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est là pour contrôler et les textes pour être conformes par rapport à la Constitution, les lois et les règlements du gouvernement. Également, là, c'est le juge électoral. Et c'est contrairement à texte qui est le CEP, il y a deux compétences, une compétence administrative et une compétence juridictionnelle pour juger les textes. Il a gagné encore là. Là, fait tellement son organe capable d'organiser l'élection. C'est un organe administratif pour l'organisation des élections. Quand il y a les contentieux au niveau électoral, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente. Donc, il essaie de rationaliser Bayo. Donc, c'est pour professionnaliser Bayo tout. Ensuite, ce qui est proposé dans les textes,
pour le choix des membres du CEP, c'est la société civile des départements, y compris mon diaspora cabinet. Nous pouvons avoir 11 membres. Donc, il n'y a pas parlé conflit, c'est exécutif là ou bien législatif. Mais la participation de la société civile dans les départements, il faut qu'il y ait l'animation citoyenne dans les départements à travers les associations, etc. Pour groupe. Pas de mécanisme, pas de réponse pour le dire, mais il n'y a pas de ça. Mais il y a des textes d'application pour ça. Donc, pour CEPA, pour c'est pas président de la limite là dedans ou bien un groupe acteur. C'est la société civile. Donc, on a laissé ça dans le texte à la société civile pour ce qui est le conseil électoral permanent. Mm-hmm. Et mécanisme pour mettre en place à tout, les rationaliser pour pas gagner marchandage. Toute institution, les pouvoirs publics constitutionnels, tout côté qui fait partie des pouvoirs publics constitutionnels, le mécanisme de décision et de nomination est rationalisé pour pas permettre de faire marchandage, etc. Donc, moi, je crois que ça a fait dans le texte là, l'autre bail qui fait au niveau du budget de la République. Parce que il y a un effort qui a parlé contre la lutte de la corruption. Aujourd'hui, on a seulement le budget de l'État. On n'a pas le budget de la nation. Ce qui est proposé par le texte du Conseil consultatif indépendant, on va avoir un budget de la République qui représente le budget de l'État. Il va avoir au moins quatre groupes là-dedans, quatre grandes colonnes. Le budget de l'État qui comprend l'administration centrale et ses démembrements déconcentrés. Le budget des collectivités territoriales, la grande ligne du budget collectivité territoriale, les mairies, les départements comme collectivités, n'a pas budget. Le budget, très bien, des organismes gérés de manière autonome. Il y a un budget à cette fois-ci. Également, les comptes spéciaux du trésor. Donc, on a gagné 4 grands groupes, on a un budget de la République. Mais en mieux, tu vois le budget programme. Il a dit tous les 3 ans, d'ailleurs, c'est déjà voté dans la loi des finances, dans la loi sur l'exécution du budget 2016, pour nous donner des budgets programmes. Même les bon budget annuel, moi, j'ai bon budget programme en termes d'investissement d'État sur le long terme. D'ailleurs, sauf que citoyen qui était vers les tirs, qu'on ait eu construit l'école là, dans la zone de la Cali, qu'on ait sous 3 ans, qu'on ait pour faire. Donc, on parle de. Et la fonction des comptables publics est renforcée dans les textes. Donc, le comptable public, vraiment, c'est monde, ça a la cour des comptes, pour contrôler au mieux. Pas de plus de monde par le moyen de l'État encore. Le ministère du Trésor va déployer l'ensemble de côté de l'État, dépenser comme et après le comme. Donc, on va avoir 20 ministres. Aujourd'hui, on a plus de 50 ministres de l'économie. On va avoir un grand agent de la République qui a contrôlé les finances de l'État. Donc, pour limiter, ça me donne les corruptions, etc. Donc, texte-là, dans le bail, il fait lutter contre l'impunité. Il n'y a pas de passe-droit pour les autorités à deux niveaux. Par exemple, on est gros volé tes mounes, donc côté de l'article qui dit ça. Si on est en position d'autorité, ou elle volé tes mounes, fait spoliation, ou des peines aggravantes prévues pour vous. Ou elle volé tes, par exemple, vous député, ou elle prête tes mounes, bah, qu'on était à bon premier, ou bien un cabinet résident, ou elle prête tes mounes. Donc, en position d'autorité, ou elle fait vol, spoliation, ou elle aggravé pour vous. Maintenant, la responsabilité des élus. Pas de quatre blanches dans le texte là. Texte là, rationaliser, ça me donne le recours de justice là. Ça a été rationalisé. Il y a un travail de rationalisation qui est fait. Donc, recours de justice, ça est seulement réservé aux questions de crimes politiques. Par exemple, porter des armes contre la nation, etc., violer la constitution, etc. Mais tout ça fait qu'il relève des droits communs, il n'y a pas recours de justice. On va devant le tribunal, on va devant la justice ordinaire. Donc, il y a plusieurs articles, je parle de beaucoup dans les médias, y compris sur les réseaux sociaux, c'est comme quoi il a garanti l'impunité pour les élus. Et pas vrai. Soit après l'article 139, ou bien l'article qui parle des ministres, et, ou bien qui parle des secrétaires d'État, y compris des députés, il y a 3 bagailles qui font la donne. Il y a un côté pour les députés. Mon premier député. Alors, nous sommes permettre. Oui, allez-y. Nous avons des bons divinats. Ah, mais bon, ça peut se parler de. Ok, allez. Immunité présidentielle. Mais avant, nous devons vous expliquer le pays à un bagaille. Et peut-être, parce que vous venez là pour expliquer. Oui, si. Et dans l'article 55, là. 145. Avant Bougère. Le président de la République a le pouvoir réglementaire général. 145. Où est-ce que le pays à comprendre? Ah, même de phrase ça. Oui, parler de l'article pouvoir réglementaire général. Donc tout ça qu'a fait, c'est pas lui pour passer parce que le ministre, c'est lui qui exerce le pouvoir exécutif pour nous savoir il y a travail. Donc, ça veut dire dans un régime président. Il le dit automatiquement ordonnateur. Le président bon, ordonnateur oui, ça dépend, mais pas parce que le régime présidentiel obligé à faire ça.
pour regarder les mécanismes qui fait ça. Parce que la responsabilité, de ne pas faire un instant contre lui-même. Mm-hmm. C'est pourquoi il a besoin. S'il a géré les bagailles, la géré, mais c'est ce qui a été dit, il est rationalisé. Il n'est pas même niveau la même président parce que le Parlement va voter des budgets programmes. Mm-hmm. Si il y a, par exemple, pour 3 ans, toute la soie Bretagne connaît, mais qui investit sans pas le fait. En fait, ce qui va dire, vous allez dire, oui. Il y avait les lois qui sont chaque plein de gouvernement, tout le monde est en connaît tel ou pas le fait tel côté. Et c'est un bac mauvais. Moi-même, je n'ai pas fait débat sur le développement. Je gagne des documents des années 70, 75, 76, de toujours plus haut. Ou quand on connaît tel bail, il va faire. Même les problèmes, il va faire. Mais la nation est au courant, côté tel bail, il va le faire. Pas de matin, on n'est pas changé, il va là demain. Tu vois, tu vas aller être une dictature. Non, écoutez, non, mais pas passer tout ça, pas de bon la donne. Ok? Et je sais non, non, c'est pas. Où j'ai dit, c'est du Val. Non, Jean-Claude, que je parle. Non, mais dictature, pas ça, mais c'est qui te va être bon. Non, écoutez, c'est il a gueule comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Pas faire ça. Non, les barres de nos bagailles, nous prenons ça bon, nous prenons ça mauvais. Et pas tout ça qui pas de bon. Ok? Nous ne prenons pas de bon. Tout comme tout, on a des barres qui va te marcher. Des barres qui faut condamner. Et pas tout barres qui va te marcher. Bah, oui. Ok? D'accord. Mm-hmm. Maintenant, ceci étant dit, lors de l'invention du budget programme, qu'il y a là, Parlement a voté le budget programme pour 3 ans. N'a connais tous les programmes d'investissement. N'a pas connais 6 et 25 km où tu parles faire dans tel département. Tout le monde a beaucoup. Non, n'a pas gagné comme là. Année 1, année 2, année 3, vous allez mettre le bout. Ou à beaucoup. Maintenant, le ministre de l'économie et des finances, c'est l'irresponsable après des finances publiques. Mm-hmm. Et oui, c'est l'ordonnateur principal. C'est l'ordonnateur principal. Le président, les ministres ont le travail politique. C'est que fait dans le texte du CCI, le ministre va faire le travail politique, l'animation de la vie politique. Il y a le comptable public qui aura vraiment. Moi-même, dans notre pays, c'est comme ça, moi, le fait. La réforme, c'est que nous ne pas moins comme l'État. Il y a des hauts fonctionnaires là qui va pour ça, qui a assermenté, qui fait ça, ils ont contrôlé au mieux. Au demain, ils ont le chèque. Non, c'est des autres. Pourquoi on parle de corruption? C'est parce que trois personnes qui manipulé l'argent de l'État. Une fois qu'on connaît deux, trois personnes, c'est eux-mêmes, peut-être, où il y a les institutions contrôlées, qui ont travaillé pour eux. Donc, ça a été proposé dans les textes pour rationaliser. Mais également, la fonction de contrôle, parce que ça qui est important, c'est de travail de contrôle pour nous faire attendre. Depuis le travail de contrôle, en fait, on va diminuer marge. Mbadou, pas même dans le grand pays, on va éliminer la corruption à 100%, mais on va réduire davantage de sorte que c'est acceptable. C'est a été proposé dans le travail du CCI. Mais alors, le travail contrôle là, tout, on va parler à la. Ou parler de la Cour supérieure des comptes, ou parler de la Cour constitutionnelle, et forme de ça tout. Et si ça a été prévalent depuis la Constitution 87 là, Cour constitutionnelle là, nous voyons bien. 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 Nous voyons rationaliser, mais pas oublier non. Aspect sociologique, aspect culturel, il faut pas négliger. Parce que les avec la Constitution, c'est clair. Nous avons écrit le toujours comme si tout le monde allait aller bien à partir de la Constitution. Bon, il faut. Parce que dans le 87, non, mais pas oublier non. Moi, qui t'a fait constitution 87 yo, oui. Yo t'es animé de bonne volonté. Et ne t'aide pas yo, j'ai écrit là, bah la va passer comme ça et là bon. Les rois mandés là et même bah là, même Jean ouais, Jean Abdil là, et même Jean comme si il a senti toute bagaille pour le marché, par exemple, vous venez avec un concept, il y a pas rationnel de toute bagaille. Ok. Mais qu'on a réalité yo, nous connaissons déjà, ça y est. Donc, parlement, nous parler de un parlement monocaméral, va ça? Oui. Ok. Et qui ça nous retire dans le pouvoir de contrôle li? Non, on va retirer. Il tout tout le pouvoir de contrôle que tu as. Il va jamais faire. Hein? Il va jamais faire. Non, non, ça te gagne. Non, on va dire pas jamais. Il toujours là. Le tout pas il dit là, on va jamais faire. Donc il va parler moi vous dit. Tout ça n'a dit là, on va jamais faire. Non, mais pour écrire mais on va jamais faire. Pouvoir contrôler. Oh, c'est on va jamais faire. Maintenant et dans niveau parlement, d'ailleurs dis moi et qui ça nous retire dans pouvoir parlementaire de gagne? Non, sauf que vous pas participer de la formation du gouvernement. Il va participer. Non, parce que vous séparez ou non régime présidentiel classique, mm-hmm. La séparation stricte des pouvoirs. Est-ce que vous avez toujours le ministre? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ok. Non, il est enquêté. Est-ce que vous avez toujours mettez président en accusation? Ah mais évidemment, hein? Évidemment. Mais quand est-ce qu'on a bon parlement monocaméral qui est non, qui ça? Qui grande majorité institution nous pensez qui a fait non sous les univers sous Sanga il la donne. Oui, parce que dans le parlement faut tout parler. Mise en accusation, oui, parlement qui a la plénitude pour faire ça. Bon nombre de députés au mieux voir qui a fait
fait mise en accusation. Oui. Et puis après le. Et la juridiction du jugement qui est ça. Oui, la haute cour de justice qui est le président du Conseil constitutionnel qui a présidé, le président de la Cour de cassation. Nous avons bien trois députés, quatre juges et magistrats. Non. Procureur. Et ministère public et nous croyons que les 6 personnes qui constituent comme ça. Donc oui, ça a été prévu dans le texte. À nous tourner sur la question Val Tapozo, là, c'est extrêmement important. Oui. Pouvoir réglementaire général. On allait. Ok, d'accord, je vais expliquer. Je ne comprends pas. Selon avant projet ça, président, il est dans stade, dans personnalité mineure. Pour vivre en personnalité majeure. Il va mineur là. C'est le chef de gouvernement. C'est samedi là. Même il est chef de gouvernement. Oui. Maintenant, moi, je te pose une question, ça, c'est justement pour vivre dans l'article 139 là. Oui. Si le pays a un travail de pédagogie, ça, on l'a dit. Allez-y. Le président de la République jouit de l'immunité durant son mandat, sous réserve de la procédure de destitution devant la haute cour de justice. Et des limites fixées dans la présente constitution. Aucune sanction ne peut être engagée contre le chef de l'État pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de président de la République, même après la fin de son mandat. Les actes du chef de l'État manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat et qui ne relèvent pas de l'exercice de ses fonctions présidentielles peuvent être poursuivis devant les juridictions de droit commun 2 mois après la fin de son mandat. Oui. Comment on peut expliquer Mounio ça et Richard? Justement, président li majeur, li sont. Oui. Il n'est pas mineur. Oui. Il pas mineur, donc maintenant. Oui. Et puis, je dis à la li, ok, d'accord. Attends. Alors, l'article 139 là, très bien. Irresponsabilité. Il y a 3 dimensions là-dedans. L'article 139, au niveau du premier paragraphe, fixe ce qu'on appelle l'inviolabilité du chef de l'État. Le président est inviolable. Il a dit, on va pas arrêter, on va pas mettre en prison pendant un mandat. Deuxième paragraphe là, fixer l'irresponsabilité du président pour les actes qu'il a accomplis en tant que président de la République. Ça, la loi Bali comme mandat. Bon, bon, qui laisse sous ça. Par exemple, c'est le président qui pour nommer ministre. Donc, on va poursuivre pour ça. Ça, lui, si le président, on va pas faire. C'est l'irresponsabilité par rapport à ça, la loi ou bien la constitution Bali comme fonction. Par exemple, le bail, il est le chef des armées. Si vous goûtez au risque d'envahir le pays, il y a des gens qui ont été boutés là-dedans, il n'y a pas qu'à poursuivre pour ça. Il agit en tant que président de la République, en qualité de président de la République. Il n'y a pas qu'à poursuivre pour ça. Maintenant, troisième paragraphe là, fixer le statut pénal du chef de l'État. A dit le président, si M. a fait des actes et M. a demandé pour faire de la corruption, là, il n'y a qu'à poursuivre. Mais mieux dans le texte, il n'est pas protégé comme dans le texte de 87, comme s'il va non justice et politique. Très loin des préoccupations des citoyens qui parlent faire des combines politiques, maintenant ils devant les tribunaux de droit commun. Donc il y a 3 dimensions dans le texte. L'inviolabilité du président de la République, l'irresponsabilité du président pour les actes qu'il accomplit en qualité de président, ça la constitution Bali, Mbouyon par exemple, pour publier, le Parlement fin voter en loi, par le niveau pour publier dans le moniteur, ou pas qu'à poursuivre pour ça. Parce qu'il a accompli en qualité de président. Il faut que tu fasses. Si pas de président, il faut que tu fasses. Mais si, par exemple, pour faut qu'on ait un contrat qu'a fait et puis il passe M. Mandé dit avant comme 10%, il a poursuivi M. Boussa. Ça, la responsabilité pénale est engagée. Donc là, texte a dit, pendant pour sécuriser le mandat, ça, statut pénal là, après 2 mois de mandat, il a poursuivi M. devant le tribunal de droit commun normalement. Si dans la première phrase, il te prend un article tout à l'heure. Pour qui 55 ans oui, 55 ans. Oui, c'est président. Non, mais si c'est clair ça. Il a le pouvoir réglementaire général. Oui, il a un pouvoir réglementaire général. Oui, ça veut dire, c'est que. Il y a un ensemble de ministres qui travaillent, les textes ministres, c'est lui qui a soit République Dominicaine s'est préparé, c'est lui qui a préparé l'expression pour publier dans le journal officiel, le PIA. Donc le ministre de l'économie et des finances, il y a un travail qui a fait, il y a arrêté, ou bien il y a un décret, comme ça a fait différence entre le domaine de la loi et le domaine des règles, on peut prendre des décrets dans les textes, et bien le gouvernement décide, et bien, le président signe, c'est lui le chef du pouvoir exécutif. Par exemple, le ministre aujourd'hui, comme nous avons une séparation entre le gouvernement et le chef du gouvernement et le chef de l'État, gagner des pouvoirs réglementaires, c'est le premier ministre qui le prend.
hein, l'ensemble des arrêtés, soit dans le moniteur. C'est le ministre de l'Éducation nationale, il ouvre la primature, mais c'est ça, c'est ça. C'est, ah, mais oui, mais pour le ministre en tout, qu'on y a, et pas oublié, non, et tout vini comptable. Non, pas dit président n'a pas responsable. Non, pas dit président pas responsable, non. Non, pas dit ça là. Ah non, dis-tu pas. Oui, mais il dit acli posé dans cette non, attendez. Ça veut dire que, et s'il prend des décisions pour l'État et que tu es trompé? Non, il y a des instances de contrôle là. Hein? Il y a des instances de contrôle. Vous avez un parlement. Vous avez un parlement qui doit faire son travail de contrôle. C'est pourquoi il est pour pouvoir se séparer. Mm-hmm. Et le parlement est là pour faire son travail de contrôle. Mm-hmm. Et le président également. Il y a des on parle de président qui a un pouvoir réglementaire. Réglementaire là, ça va bien que président. Non, mais il y a le conseil la Cour constitutionnelle qui doit contrôler les actes. Les actes réglementaires de l'exécutif. Avant de voir la Cour constitutionnelle, ça a été dit dans le texte. Par exemple, vous voyez réglementaire là, avant de prendre le texte là, la Cour constitutionnelle a regardé si on conforme à la Constitution, avant de l'adopter. Donc, quoi il faut de rationalisation qui est fait, c'est pas comme si on a. Mais là, nous ne voulons pas aller au monde de qui ça. De qui ça va vouloir parler. Phrase ça, énoncer ça, qui est dans l'article 145 là, qu'a fait président comme si. Légitimement qu'à utiliser sa guerre en termes d'influence oui, ça. Pour faire ensemble de bagailles passées. Non, attendez. Il y a encore une fois, la Cour constitutionnelle pour contrôler les lois votées par le Parlement et les règlements adoptés par le gouvernement avant de publier. Et même le David Bien, c'est que le citoyen a saisi la Cour constitutionnelle pour dire inconstitutionnel. Donc, moi, je crois qu'il y a un effort pour établir un régime de l'état de droit. Le président n'aura pas. C'est pourquoi je vous dis, c'est vrai qu'il y a la séparation des pouvoirs du cantonné, mais il y a des espaces de contre-pouvoir. La Cour constitutionnelle est là pour veiller tout règlement du gouvernement, toute loi votée dans le Parlement pour être conforme à la Constitution. Je vais me poser une petite question sur ça. Pouvoir, yo, président, yo, le plus souvent, des capacités pour jouer sur l'institution politiquement. On espère qu'on aura des gens. Chef l'État en Haïti, yo souvent pas joué rôle yo. Travail pour faire ou pas faire. Assez souvent, ouais, comme si la population a demandé pour qu'ils viennent au secours, alors que la Constitution a plein pouvoir pour agir, mais pas jamais agir. Et si le président yo joué, président qui va le président, peut-être par exemple pour le président nous va gagner là, si vous votez et référendum, non, le président ça va par exemple pour les autres pour l'autre val. Comme l'icône n'est pas le coup constitutionnel qui va là, qui va contre l'action. Et puis, je vais piéger même gens qui ont fait pour le conseil électoral permanent par un hein? Et puis, si je ne pas un là. Est-ce qu'on nous compte qui va les dégâts au président capable de faire d'après l'institution de contrôle ça, par exemple, lui jouer la. Président jouer pour l'institution arrêtée bancale ou bien inexistante. Parce que le conseil n'a pas là, on ne l'a jamais eu. Attends. Où était nos ordre ancien? Comment? Là, on est en train de créer un ordre nouveau, avec des nouveaux mécanismes, avec des nouvelles finalités. Ça qui est là aujourd'hui, c'est que le pouvoir ne peut pas fonctionner sans cour constitutionnel. Là. C'est pourquoi que CCI rationalise les mécanismes de mise en place. Là. C'est trois personnes qui ont participé dans la mise en place. Le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour de cassation, le président de la République. Il ne peut pas faire sans ça. Ou au niveau de rationalisation de, ou besoin d'établissement de l'état de droit. La 87, la finalité du texte 87 est empêcher le retour à la dictature. Aujourd'hui, on veut un texte qui permette à l'État de fonctionner, pour permettre aux citoyens épanouis, de jouer les libertés publiques, jouer les bagarres. Donc, ce n'est pas la même logique là. On n'a pas la même logique. Non, logique, nous retournons pour nous constater. Ou fait nous faire plus qu'un dans le gouvernement. Non? Ou pas si c'est normal. C'est doit préparer. C'est une déroulée. Aujourd'hui, ce qui est fait là, il nous faut des rationalisations de la mise en place du texte. Et ce qui a été dit au niveau des dispositions transitoires, 15 jours si le texte a publié, tout projet de loi et qui pour compléter la constitution, il y a peut-être un comité pluridisciplinaire pour travailler sur eux rapidement pour faire. De ce qu'on va traîner sur ça. Loi organique CEP, loi organique cour constitutionnelle, loi organique qui pour appareil judiciaire, etc. Pour rapidement avec les experts, y compris les citoyens, les associations pour mettre souvent dans un bail participatif pour aller rapide. Il y a même qui puisse aller. Écoutez, moi-même, je suis optimiste de raison.
non, je suis comme ça. Optimiser la raison. Donc, c'est dit que je ne crois que pour ma pensée passée, parce que le passé est tellement. Non. Je ne pas capable d'aller dans le passé. Oui. T'as le. Parle trop vite. Constitution 87, là, tu prévois un ensemble d'institutions. Mais le fait que vous avez un concept de rationalisation, ça a bien fait que comme si 15 jours parler à là, dans 15 jours avril, ça va le fait, faut que ça fait comme ça fait. On va parler de constitution. Pas oublier, non, constitution 87 là, tu prévois un seul. Attends, pourtant, faut t'y tendre. Constitution 87 là, tu prévois un seul conseil électoral provisoire. On green. Nous quittons 20 derrière, je dis. Écoutez, nous quittons 20 derrière. Encore une fois, Marco. Donc ça veut dire que. Vous n'avez pas envie de venir comme ça. Le fait qu'on ait un nouveau texte et pour juste penser. Nouveau texte, ça a tout changé pour tout le monde. Et pas samedi. Nous-mêmes, moi je vois toujours l'avenir. Moi je crois qu'un grand peuple doit pouvoir inventer l'avenir. Fonda, on est passé seulement en termes de dimension diachronique. Oui, mais nous ne pouvons pas de manière spontanée. Attends. Il y a la synchronicité des faits. Moi-même, ce qui est intéressant, c'est que. Texte qui fait là, on réponse par rapport à des dysfonctionnements constatés au bout des 40 dernières années dans le pays, ou des 30 dernières années dans la mise en place de la constitution. Donc maintenant, est-ce que moi-même, je toujours pensé que c'est des hommes de mauvaise foi, qui n'ont pas de volonté de changement, qui ont toujours une responsabilité, je ne crois pas ça. Sinon, que, donc, si les bagages, nous pas besoin qu'on espérer dans demain pays. Moi, je crois que faire de la politique, c'est inventer l'avenir. Donc là, ici, c'est que ce qui est fait, nous proposons des bagages par rapport à des problèmes. C'est des réponses à des problèmes que vous constatez. Où tu vas mettre le CPA? CPA, mécanicien de trois mois. Mécanicien de trois mois, zone de certitude. Le travail que fait le CCI, c'est réduire au maximum les zones de certitude pour permettre la mise en place d'institutions. Bon, moi-même, je fais un pari sur l'avenir. Je ne suis pas une conception passéiste pour me croire que je ne suis pas faire. Et si on regarde même dans le passé, on a fait des grandes choses dans le passé. Donc, mais bon, nous partons de ça qui est bon pour aller de l'avant. Donc, ça, je crois, c'est que, un, gros effort de rationalisation qui est fait. Moi, je pense qu'on est loin dans la rationalisation. Par exemple, au niveau de la loi, de vote de loi au Parlement. Moi, par exemple, je regarde en Allemagne, il n'y a pas de Parlement qui a un nombre de lois. Le gouvernement dit, il demande des bénéfices de l'urgence pour loi ou il y a un nombre de temps pour voter loi. Ah oui, il y a plusieurs pays. Non, apparemment c'est ça, le texte qui a été déposé, c'est dans la Constitution, parce que c'est des textes fondamentaux, et des textes fondamentaux, société à d'accord sur eux, sur des textes majeurs, pour la sécurité nationale, on ne peut pas jouer avec ça. Donc dans des pays, il y a un bon nombre de temps pour travailler sur eux, on n'est pas capable de rationaliser. Donc moi-même, je ne dis pas dans le texte, moi-même personnellement, je pense qu'il faut pas au niveau de rationalisation davantage. Pour qui ça? On se parle de l'Allemagne. Oui. Faut pas faire ça. Non, mais écoutez, c'est pas parce que c'est l'Allemagne. Faut pas faire ça. Non, c'est l'Allemagne. Non, c'est une bonne société. Attendez, je ne parle pas de rationalisation. Il y a bon temps pour réagir sur un texte. On va faire 25 ans, ou par exemple, c'est comme ça, nous dépasser là. Bon, il faut de rationalisation qui est faite pour le budget. Par exemple, vous avez parlé de ça. Bon temps pour voter budget. Sous votre budget. L'année prochaine. Article ça, il dit aucune.
li mal dépensé. Vous avez dit, li mal dépensé. Non. Est-ce qu'on d'accord? Non, écoutez, Jean comme ça a dépensé, on imaginait que comme ça leur donner vous dépenser, il détourné par exemple. Non, c'est un. Mais c'est un tombé au niveau de Mais bon, dit oui, aucune action de ne peut être engagée contre le chef de l'État pour des actes liés à ses fonctions et accomplir en qualité de président de la République. Maintenant, si l'on donne, parce que c'est lui maintenant le boss de l'administration, dans cet avant-projet constitutionnel, puisque c'est lui-même qui conduit la politique de la nation, puisque les ministres sont les collaborateurs du président de la République. Maintenant, ministre ordonnateur, tout. Mais d'accord. Mais ministre, c'est collaborateur. Attends, pas m'excuser. Allez-y. Il dit, deuxième paragraphe, ça dit, même après. Non, on comprend pas. Non, mais écoutez, on va faire comme ça. Les gars en Dubaï là, un groupe terroriste venir en Haïti, il mandé en tant que chef des armées pour aller chasser nèg. Donc d'accord. Ça c'est fait ça. Maintenant pendant faire ça, tu gagne zam pour acheter et puis lui impliqué ça me donné dans votre commission bon pour français et a dit compagnie qui vend zam même c'est mandé pour ça le acheter pour $10, il dit vend pour $20, quoi bon $5 là-dedans. Il a poursuivi monsieur par rapport à deuxième paragraphe là. C'est vrai qu'il a accompli un acte la constitution Bali, mais on t'a ça qu'on aspect fraudulé et corrompu là-dedans, il a poursuivi. Oui, on dit super bien. Pour que ça va voir si très clairement dit ça. Super bien, oui. Super bien. Troisième paragraphe là. Les actes du chef de l'État manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Attendez. Mais Samsung prend comme exemple à l'Oréli. Non, manifestement incompatible. Ou pas doué à l'Alpencop, l'Oréli loi sur la corruption, ou pas doué à l'Alpencop pour faire ça. Ou pas doué voler. Non. Il y a des mots de passe de ça. Il y a des tout de monnaie fondée. On mélange des choses. On va mélanger des choses. Même bon, tout à l'heure, le premier aspect de la question, lui irresponsable, pour lui le fait qu'il le fait, parce que c'est l'été de fait, c'est lui le chef de l'État, c'est lui, c'est le bataille par la cage comme ça. Maintenant, quand il y a un deuxième bail, malin, il se fait, quand il a fait acte là, il faut acte de corruption, le même acte là. Ma balise, ma fond séparation. Tout le monde, deuxième aspect qui négatif là, il tombe sur troisième paragraphe là. Monsieur, je fonctionne, fonctionnaire à Bali pour détourner l'émission. Cela n'est pas clair ici, Doré. Il est clair. Bon, en tout cas, Doré. Pour moi, il est clair. Comme c'est clair. C'est manifestement incompatible dans la fonction. Oui, comme c'est pédagogique. Manifestement incompatible dans sa fonction. C'est pas ça où va venir faire là. Il va venir, monsieur, pour si on bagaille, il faut le prendre ou bien barrer pour tuer au monde. C'est pas ça où va venir. C'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est veiller à l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça au Bali. Demain matin, c'est Val qui l'a. Parce que fond, nous n'a pas compris ça. Veiller à l'intérêt supérieur là, en tant que président, en qualité 2. Mais tout ça le fait que la loi pas Bali comme mandat, mais si on pas Bali, c'est ça la responsabilité personnelle. Mais on connaît tout en Haïti. Manifestement, seulement suffit pour faire pas bouger vous, président. Si non, mais maintenant, vous là. Si vous dites que ça va tout. Oh, demain, posez une question sur manifestement. Pour moi-même, moi, le clair. Si on te dit les actes incompatibles. Avec les autres, les actes manifestement incompatibles, on va dire les pourquoi le pays a bien? Quand il n'y a pas dit que les gens sont malins, il y a souvent. Mais, au tribunal, il y a dit écoutez. Ah mon cher. Ça, on donne des dépenses là. C'est notre fonction président. C'est lié à sa fonction. Il a le poste de l'administration. Attends. Oui, pour ordonner des dépenses, c'est dans sa fonction. Supposons. Maintenant, un gros combat pour faire par là, c'est dans la fonction. Attendez, oui. Il y a deux mouvements dans ce dia. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que
il est là. Attends, il a la qualité pour faire. C'est lui qui doit faire. C'est la loi ou bien la constitution qui dit c'est lui qui doit faire. Mm-hmm. Pas de problème. Maintenant, pour le deuxième mouvement, monsieur Bombagay, loi, vous avez condamné ça déjà. Quel que soit le monde, quand vous avez eu un monsieur citoyen condamné, eh bien, pénalement, son statut pénal est engagé. Donc, vous voyez, donc, moi, monsieur, vous avez compris. Non, mais pas de problème. Bon, oui, pas de problème. Si le président, si le président, bon, ça s'en parle, là, le président va ordonner, non? Non, ça se doit pas expliquer. Non, mais dans le texte, le président sera ordonnateur. Ah oui, mais il ne doit pas expliquer que le président sera ordonnateur. Est-ce que le président, comme ordonnateur, parce que dans le texte, là, il est ordonnateur, oui. Est-ce que comme ordonnateur, il y a pour le faire même avec un qui est premier ministre, si pour le président, quoi, pour le mandat, est-ce que c'est pour l'alde décharge dans le coup de l'école? Dans le texte, il y a des dans le texte, il n'y a pas de décharge pour, parce que ça gagne, c'est que vous parlez de décharge annuel tout le temps, mm-hmm. parce que la Cour des comptes est fixée sur le cœur de son métier, mm-hmm. donc vous avez des charges annuelles. Oui, mais est-ce que le président concerné par des charges annuelles là? Et parce que si c'est monsieur qui a pris le cœur de tout le bagage. Tout à l'heure, tout à l'heure. Dans le texte, il n'y a pas de décharge. Le président de la République n'a pas besoin de cobre. Oui, mais il peut lui ordonner. Non, attends, le gouvernement ordonne. Globalement. Mais il est le chef. Non, mais il est le chef. Attends, attends. C'est dans la collectif. Ce qui est dit dans le texte, si le Parlement vote les lois de règlement, on espère que ça se fait à temps avec la Cour des comptes, le gouvernement a une décharge collective. Sans l'épargne à responsabilité personnelle de chaque monde. Ok, d'accord. Donc c'est ce qui est dit dans le texte. Mais moi-même pensais que puisque par exemple audit tout le monde et puis les comptes publics sont capables de manipuler les fonds, on va devoir qu'on dépense parce qu'il va avoir le budget programme. Toutes les postes d'État sont programmés. Il y a programmé directement tout pour Napoléon. Il y a bien transparence. Et deuxièmement, il y aura une autorité d'élite de la concurrence qui crée dans le texte. Donc, nous croyons que CCI pour une série de mécanismes pour permettre la reddition des comptes, la transparence, etc. Donc, une certaine visibilité des dépenses publiques et pour garantir. Mais moi-même, je pense peut-être, Doré, moi-même, je suis d'accord que si on est gouvernement femme, une présidente de la République, il y a des pouvoirs qu'elle gagne. Parce que m'estimer que monde qui président se constitue sur passé là au 87 là avec Amadea sans pouvoir pour président ou sans pouvoir moi connaître ça mais maintenant si la constitution ça alors, dans les textes oui dans les textes oui dans les textes si le texte nouveau texte on va proposer pays à nous tiens que font la président au pouvoir il y a responsabilité en métal il y a responsabilité faut que assumer tout faut que nous mettez côté pour assumer mais là c'est mais... non il y a des dérives. Qui va expliquer tout à l'heure? Qui va expliquer que un président a ordonné, un président est lui-même qui a réglementé tout bagaille, ouais, au plus haut niveau, et puis, par mon côté, notre texte a écrit noir sur blanc que le président est pour le rendre compte tout. Parce qu'il faut le rendre compte. Attends, et si il fait des bagailles qui passent ça? Attends. Dans un régime présidentiel, oui. Le président est responsable devant les électeurs. Ça, c'est classique. Responsable devant les électeurs. Maintenant, pour y avoir séparé, acte administratif l'a posé, s'il a fait corruption, il résout déjà dans le texte. La loi déjà condamnée, monsieur passible devant le tribunal des droits communs, comme monsieur Jean, comme madame Jacqueline. Mm-hmm. Ok? Sa responsabilité pénale est engagée. Comme je vous ai dit tout à l'heure dans l'article 139, il y a trois facteurs qui sont énumérés. L'inviolabilité du président, on ne peut pas arrêter le bon mandat, même si le parlement a destitué. Et deuxièmement, irresponsabilité par rapport à ça, la loi Bali comme mandat, il va faire, mais son statut pénal. Et c'est pour la première fois, dans un texte constitutionnel en Haïti, le statut pénal des élus est fixé de façon claire. Avant, il était caché devant en justice politique, le haut de justice. Les crimes et délits, ben, ça c'est haut de justice. Là, non, le tribunal des droits communs. Donc, moi, je crois que ce qui est très important, un effort est fait pour rapprocher les autorités de la justice. C'est une demande sociale. C'est ce qui est fait là. Maintenant, sa responsabilité politique, quoi, parler là, c'est devant les électeurs. C'est pas devant le Parlement. Parce que le gouvernement est responsable devant, par exemple, les ministres sont responsables devant le président. Le président est responsable devant les électeurs politiquement. Mais dans les élections, on va voter. C'est comme ça, ça se fait. Par exemple, comme le Parlement cas, mais faut les États-Unis, président Trump, il est responsable devant les électeurs. Il n'était pas responsable devant le Congrès américain. Il va voter, l'électeur va voter. Donc, dans un régime présidentiel,
le président de la République est responsable devant les électeurs. Dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Donc, on fait un choix de sortir. Maintenant, qu'on y a là, c'est pour aller pour nous convaincre. Maintenant, mais États-Unis, il y a les deux. Qui ça? C'est pas seulement devant électeurs. Non, ça, il est toujours là. C'est pas contre, ma parole politique. Non, le président des États-Unis politiquement n'est pas responsable devant le Parlement. Non, mais nous ne parlons pas de politique. Non, mais non, mais ça t'était déjà. Il y a la justice. Non, il ne faut pas mélanger. Comme on dit, on a fait pédagogie. Là, c'est corruption. Et puis la justice maintenant est là. Il a sanctionné comme président, comme ministre, comme parlementaire. Il a sanctionné. OK? Maintenant, je parle de la responsabilité politique. La responsabilité politique, telle qu'elle est là, celle devant les électeurs. Le président, il a dit qu'il a fait 5 écoles, monsieur fait 3. Moi, j'ai une élection peuple, il a dit que je suis menti. Non, pas retourner, monsieur Val, le président de la République, c'est dans l'élection. Aussi simple que ça. Maintenant, si c'est un régime parlementaire, il y a un parlementaire qui a dit monsieur, puisque moi-même qui veux mandat pour aller travailler pour moi, même qui n'ai pas élu, de façon indirecte, c'est moi qui est lourd, nous sommes responsables devant. Donc, si la différence est claire, c'est qu'il y a un changement de régime. C'est un changement de régime. On passe de régime. En tout cas, celui parlementaire ou celui de la salle. Régime d'assemblée. Non, on va dire. Confusion de pouvoir. Non, mais c'est confusion de pouvoir. C'est confusion de pouvoir. Il n'y avait pas de frontières entre les deux pouvoirs. Donc, oui, c'était confusion de pouvoir. Maintenant, tu as un régime présidentiel. Donc, le président de la République, politiquement, est responsable devant les électeurs. On rétablit les frontières. Donc, bien sûr, cela c'est pas associé. Cela c'est pas associé. Okay. Oui. Poser question. Parce que récemment, le président a posé un acte. Bon, c'est tellement où tout le pays a au courant de l'acte. À côté que, il était retiré. Santa Carrera, l'ensemble du contrôle préventif ou contrôle a priori. Ah oui, que la cour des comptes. Maintenant, est-ce qu'elle est avec ça? Ce contrôle préventif et les spécialistes. Encore une fois. Nous connaissons ça, tu fais un débat. Je ne suis pas venu sur ça, comme vous qui ça. Parce que généralement, nous intervenons sur le dossier, on va maîtriser. Et ce que la Cour des comptes, notre Cour des comptes, CSCA, a fait là, je dis, aucune Cour des comptes dans le monde pas fait. Aucune. Moi, je connais le système francophone plus ou moins bien. Je connais au Canada comme grand vérificateur général. Je connais le modèle anglo-saxon. Mais dans le système francophone, pas aucun cours des comptes qui fait ça là. Il y a contrôle a priori. Non, du tout pas. C'est la marge du pouvoir exécutif. La Cour, c'est une institution. C'est au niveau son contrôle juridictionnel qu'elle fait. Il a pour juger les comptes. C'est le travail d'audit. L'exécutif est là pour mettre en œuvre la politique du gouvernement qui a été défini lors des élections. Le président de la République, il vient, par exemple, dans le régime présidentiel, comme on l'espère, et il dit qu'il va construire 3 ponts, bah, qu'on est Jérémy. Si l'Alda est dans la campagne électorale, l'Alda va venir Jérémy, il va faire 3 ponts. Automatiquement, elle arrive, elle vient pour le premier conseil des ministres, elle rencontre avec le ministre de l'économie et des finances, ministre de planification ou le ministre CTPC, elle dit, monsieur, voilà, voici la feuille de route. De négocier devant le peuple là, parce que c'est vrai, le président est responsable devant les électeurs. Voilà, la responsabilité politique du président est engagée devant les électeurs. Donc il dit, mais ça me dépose le peuple là, monsieur Meni, vous avez ministre économique, nous même sous ses plumes, vous regardez pour nous, combien est-ce que c'est dans l'année 1 président, ou bien année 3 d'enfer, ou année 4, comment ma baille une expression budgétaire à la promesse présidentielle? Maintenant, l'IOE a qui a l'année, parce que le ministre de l'économie et des finances, c'est le grand agent de la République. Quand il y a la 10, bon, c'est année 3. Et bien, qu'on dit, il n'a pas fait conférence budgétaire avec son collègue de TPTC, il dit, ok, c'est l'année 3, n'a pas le président en premier point, parce qu'il a fait promesse à devant le peuple. Et bien, lui, qu'est-ce qu'il fait, le ministre de TPTC, lui, il joue avec responsabilité, lui, inscrit, lui, dans le budget, il met dans le budget d'investissement. Maintenant, il fait ça, ça fait, eh bien, l'année, il y a construit. Maintenant, si tu as un problème, etc., pour un parfait, etc., on ne va pas parler de malversation, non. Il y a une faute politique, la dame. C'est les électeurs encore. Il y a sanctionné le président, les là, on va marcher les ruines de vol. Mais c'est, maintenant, si c'est vol, si c'est un bakchich qui va la donner, etc., donc la justice pénale entièrement engagée là-bas. Oui, oui. Ça va parler là pour la France. C'est pas pour la France. Non, mais c'est le samedi. On prend exemple la France, mais d'accord, analyse comparative là, moi je crois dans ça. Mais Doré, c'est vrai que contre la priori, on dit par exemple dans le système francophone. Non, pas non, pas non, pas non, ça. Non, mais Doré,
nos pays. Attends. C'est pas qu'il n'y a pas contrôle a priori. Mm-hmm. Au niveau du gouvernement, il y a les corps de contrôle interne. Hein. Il y a des contrôles internes de chaque ministère avant de faire des bosses pour regarder conformité. Il y a des contrôles administratifs qui est fait par le corps. Il y a des corps, le gouvernement, il y a des contrôles internes. Ce que là, pour faire, c'est un contrôle juridictionnel. Pour voir si des dépenses ont été faites après. Mais si vous dites, nous ne faisons pas venir, par exemple, aujourd'hui, où vous ne faites pas 3 points et puis vous faites 7 points comme de pas. C'est pourquoi on a un problème de taux d'exécution budgétaire en Haïti qui est très faible, surtout en matière d'investissement. C'est-à-dire que vous adorez le contrôle a priori que la Cour des comptes gagne, donc, qui certainement, dans notre cas, par rapport à la tradition de corruption qu'une guerre, il y aurait tiré notre exemple. Bon, c'est pas son travail ça. C'est pas son travail. Son travail, c'est le travail d'audit. Mm-hmm. Ça, le contrôle, c'est l'exécutif prend ses responsabilités. Il y a des contrôles internes déjà dans tous les ministères et pour garder est-ce que bah, ils respectent les normes, c'est parce que des charges, il y a un problème de charges, ils ne respectent pas les normes. Donc, vous ne comprenez pas que parce qu'ils n'ont pas gagné et puis pas de contrôle qu'ils ont fait, non, du tout pas. Au contraire, les dépenses publiques, ils sont très mal contrôlées. Mm-hmm. Et même, c'est vraiment contrôlé puisqu'il faut faire des arbitrages parce qu'on n'a pas toujours toutes les ressources disponibles. Mm-hmm. On dit les grands noms, mais on a une question collectivité puisque tout à l'heure, tu as avancé la question collectivité. Alors, pourquoi les collectivités territoriales, l'édifice institutionnel des collectivités territoriale ni rationaliser aussi ce que fait le comité consultatif indépendant. Nous avons gagné d'après constitution 87 là 7 organes au niveau des collectivités territoriales et 3 niveaux. Vous avez gagné CID, son conseil interdépartemental, vous avez gagné conseil départemental, assemblée départementale, conseil municipal, assemblée municipale, CASEC. Il y a bon, 7 organes, vous avez gagné 3 niveaux. Donc, c'est ce que fait dans le document, il tente de rationaliser. Parce que il y a plusieurs compétences qui transférées directement aux collectivités territoriales. Avant, dans le texte 27, nous avons créé, mais pas des compétences. C'est la loi qui va avoir des compétences, mais les compétences ne sont pas fixées vraiment. Je veux dire, il y a gagné des compétences et mécanisme de l'assemblée municipale. Ou a gagné un coordonnateur de section communale, ou a gagné un conseil départemental, et ou a gagné l'assemblée des maires, cap. On s'appelle d'ajout au de contrôle de eux. Donc c'est ça qu'on lui propose. Et beaucoup de compétences que l'État a gagné nous transférer aux collectivités territoriales. Par exemple. Tout ce qui est l'aménagement du territoire. Même si l'État a niveau stratégique, l'État a bien vision, mais ces collectivités territoriales qui ont gagné, tout ce qui est les marchés publics, tout ce qui est la construction, réinsertion, etc., la politique d'animation socioculturelle, etc., la politique économique, le développement économique du département, etc., le développement social, ouais, tout ce qui est l'aménagement du territoire, donc ça a été transféré aux collectivités territoriales pour que les collectivités territoriales qui ont gagné non seulement les ressources, mais également des champs de compétences plus âgés. Doré, et moi dans l'article 122 là, Doré, attire attention 122, pour moi, premier arabe, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, est-ce que c'est ça là? Doré, c'est qui bon là? Texte à ville. Article 122. Ouais, c'est-à-dire exactement dans l'exercice et les attributions du pouvoir législatif. Ok, oui. 122. Oui. Bon, il y a parlé de loi de financement, Doré. Côté que. Lydie, dans, c'est dans le 8e paragraphe. Oui, c'est peut-être avant-dernier, non? Non. Avant-dernier, si vous voulez comme ça. Avant-dernier. Ok, d'accord. Ok, projet. C'est ça. Aucun amendement parlementaire. Ok, d'accord. Oui. Aucun amendement parlementaire n'est recevable lorsque son adoption diminue les recettes ou augmente les dépenses. La prévision est en fait correspondante des voix et moyens. Évidemment, oui. Puisqu'on ne peut pas voter un budget en déséquilibre. Non, c'est clair ça, c'est le principe des finances publiques ça. Hein? On ne peut pas voter un budget en déséquilibre. Mais oui, on imagine, c'est vrai que c'est l'exécutif qui gouverne. Mm-hmm. C'est le président qui était en fait à levant population, il fait campagne, etc. Il a fixé des priorités. On imagine en fait qu'il y a un groupe parlementaire au niveau du Parlement qui estime que Jean allocation au fait en fonction de sa pays a besoin. Hein? Moi, je parle de l'obligation. C'est pas de l'obligation qui a cherché l'intérêt personnel. Mm-hmm. Donc, il y aurait gagné un côté dans le pays, par exemple, dans l'Antibonite, département nous, doré. Mm-hmm. Tu as supposé gagner, en fonction de besoin de population, tu as supposé gagner des centres hospitaliers qui créent là et que le gouvernement va faire priorité. Est-ce que là, par le simple fait que vous étiez capacité ça dans le parlement, pour que lui-même lui t'apporte un amendement dans la salle comme priorité que le pays a besoin, est-ce que là, et, ça ne va pas constituer un problème? Non, attends.
Un budget, c'est l'expression chiffrée de la politique du gouvernement. C'est ça, un budget. Aucun problème. Ok. Maintenant, texte ça, ça dit, là, il dit que vous n'avez pas voté un budget en déséquilibre. C'est-à-dire que si vous faites des, ou diminuer ou augmenter, il faut prévoir moyen ou avenir. En fait, c'est un principe des finances publiques qui est fixé ici. Et si tu as une délocation, en fait. Ah, aménagement à l'intérieur des textes, oui, le Parlement peut le faire. Oui, le Parlement peut le faire. Oui, c'est son pouvoir. Non, mais non, si on ne peut pas ça. Non, attends. Oui, non, il faut voir ailleurs. Il faut voir ailleurs. Parce que, comme je vous ai dit, il va avoir le budget programme. Normalement, pour faire ça, il faut toujours gagner des négociations avec les parlementaires. Ce n'est pas comme ça, on ne peut pas le faire directement sans Parlement, pas au courant. Avec un budget programme, il va avoir. Et dans la loi de la préparation et l'exécution des lois de finances, il était prévu que, par le gain des échanges avec les commissions compétentes, normalement la commission de finances, du Parlement, les lois, même avant, même plus que 4 mois avant que ça a commencé à préparer. Donc, nous croyons qu'il y a des espaces, des négociations pour ça, au fait. Non, on ne va pas le mettre comme ça, comme s'il paraît comme ça. Ouais, non, écoutez, il faut savoir que le budget, c'est l'expression chiffrée de la priorité du gouvernement. Non, moi, jusqu'à vous êtes d'accord. Mais pour moi-même, Edo, il ne pas qu'on est si bon côté. Alors, pour moi-même, c'est oui. Ça, moi, il doit toujours tromper. Moi, ouais, en fait, capacité pour gagner. Pour soit gagner en possession de location. De location. Non, pas interdit. Je veux dire, non, dire aménagement, non, les cafés aménagement à l'intérieur. Mais tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc ce n'est pas interdit dans le texte. Donc ce qui est important, c'est que le Parlement peut toujours faire, par exemple, lui faire des ajustements, etc. Non, c'est son droit le plus entier. C'est le travail du pouvoir parlementaire. D'autant plus que c'est le Parlement qui autorise les dépenses par le vote de la loi de finances. Le gouvernement a voté le nouveau Parlement. Parce qu'il faut savoir l'histoire du Parlement dans le monde. Le débat il est fait, c'est parce que le roi Goumé il a besoin que la fête guette tout le temps et puis les citoyens disent contester, il a besoin des représentants, c'est ça l'histoire du parlementarisme. Donc maintenant le parlement fait son travail, le travail c'est que pour autoriser le gouvernement à dépenser dans des domaines, non, il peut le faire. Ok, donc c'est vrai qu'il a fait pédagogie. Oui, faut qu'il s'arrête le Sénat. Doré, bon, alors le Sénat, c'est que d'après ce qui est dit et dans les avant-propos du texte, c'est que au gros problème de corps électoral. Le Sénat, c'est même corps électoral là et qui vote lui et qui vote également les députés. Alors que quand on regarde dans les autres pays, le corps électoral, quand on a un système bicaméral, on a deux corps électoraux. On a le corps électoral. La population vote pour les représentants. Par exemple, aux États-Unis, ils ont représenté le peuple. Et au niveau du Sénat, par exemple, le Sénat américain, le sénateur représente les États. Par exemple, si on prend en Russie, soit on regarde ces mêmes bails, et même en Angleterre, où il y a la Chambre des communes et la Chambre des lords, où il y a les mêmes bails. Et deuxièmement, même en France, où il y a l'Assemblée nationale représente. Et la population et le Sénat représente les collectivités territoriales. Donc, on mécanise de rationalisation. Maintenant, aujourd'hui, tu as un Sénat qui représente, qui est même quoi, et puis qui n'a pas de compétences qui ont un chevauchement avec par rapport à la Chambre des députés. On vit une situation difficile. Même si, il y a des gens qui pensent qu'on peut rationaliser le parlementarisme davantage pour un système bicaméral. Bon, moi-même, pas objection à ça. Par exemple, je pense que le Cap Gon Sénat ouvre du non-mi et puis normalement, on permet les forces vives de la nation de participer comme vous dans le Sénat. Par exemple, toutes les associations qui travaillent dans la lutte contre la pauvreté, ou bien des associations qui travaillent au niveau des droits humains, ou bien des associations qui travaillent des syndicats, ou Cap Gon Parti des sénateurs qui sont élus au second degré, tout avec le second degré par les collectivités territoriales, et puis Cap Gon Parti qui représentait les forces vives de la nation. Mais attention, il faut rationaliser le processus de vote là. Si tu as un conflit, les votes en loi entre deux chambres, vous venez entendre, et bien, c'est le vote qui est fait au niveau de la Chambre des députés, c'est lui qui prévaloir. Donc maintenant, c'est des choix. C'est des choix politiques. Bon, moi, je pense que si vous avez deux chambres, il faut rationaliser le davantage. Voilà. Mais Doré, en fait, il y a des gens qui ont déjà suspect. Suspect par les simples faits que. Et pendant toute l'histoire pays, c'est le Sénat qui toujours constitue un obstacle par rapport à les dérives exécutives là, en fait. Et ça a remonté même pendant à l'origine de la création du Parlement en 1806. Ça a été toujours ainsi. Et si on regarde l'histoire pays pendant le régime, ça a existé. Côté qu'on a une résistance, c'est sûr. Non. Le Sénat, est-ce que c'est pas là? Écoutez, aujourd'hui, on doit déplacer la bataille. La lutte aujourd'hui, c'est le mode d'accompagnement vers la démocratie. On pense que tout le monde a vu ce qu'il y a eu, c'est que le Sénat, bon,
dans le samedi gain là dans les dernières années là. C'est bataille, c'est une bataille de résistance au fait in fine où est le résultat face aux dérives. Non, attends, on peut toujours écoute, on est fort dans ça en Haïti. Oui, même matin si moi je veux prendre bonne décision, regarde des dérives fait. Là regarde des dérives, si on n'a pas sur la même décision. Moi pas que c'est comme ça. Moi même moi crois que un faut que nous rationaliser mécanisme de prise de décision. Deuxièmement, et faut agir dans le sens de l'intérêt national. Donc maintenant, si nous besoin nous connaît que pour qui ça exécutif ça prend tout ça. Hop, 80% texte nous c'est décret. C'est parce que le parlement ne vote pas des lois, il faut rationaliser le processus. Donc où des deux chambres où nous on a avec infini à un moment là trouvé à la paralysie de l'action parlementaire. Donc faudrait-il que ou prendre les dispositions nécessaires pour bailler au marché. Donc moi crois que c'est pas un passé bon bah quoi c'est dérive là et mon cap dit je veux le faire. Nous besoin pour une démocratie, pour une transparence, pour une participation également pour délivrer pour peuple. C'est ça la population. Donc c'est ça que fait au Sénat. C'est bon déjà résumé. Hein. Non, bah pas résumé un hein. Moi personnellement bah ouais l'utilité. Bah ouais l'utilité. L'utilité déjà un ou vinn gagner au cours constitutionnel par exemple président qui a fait dérive parce que au cours constitutionnel là qui là qui a un paquet de moyens de contrôle là même et deuxièmement ou grand assemblée nationale qui rationalise et troisièmement ou grand cours des comptes qui renforce dans son cap dans ses mécanismes d'audit ou gagner un bon corps une bonne structure de contrôle qui fait et deuxièmement l'exécutif lui même tout un paquet de pouvoir bagage dans même transférer par collectivité territoriale moi je crois que gagner on harmonisation des institutions de l'État à travers les territoires, également une meilleure distribution des compétences. Donc moi-même, dans ce sens, moi, je crois que nous avons dans ça. Bon, si les acteurs pensent qu'il faut que le Sénat, moi, d'ici, au cas où il faut rationaliser. Donc, écoutez, dans l'article 117, là, nous clairement fixé, et nous avons dit, en fait, les domaines de la loi. Oui. C'est des domaines que le Parlement lui-même, les cas. Oui. Mais pas qu'à l'idoué, alors, l'ika, il y a pouvoir, oui. Maintenant, son devoir. Ça veut dire, mais il y a des gens qui pensent que, et limitation pouvoir législatif là, limitation de compétences, ça, donc, veut dire son bagage qui fait qu'on est de manière planifiée. qui sont à répondre, en fait. Pourquoi tu sais que on ne peut pas développer un pays avec la suspicion permanente. Ah oui, il est très, on a toujours la suspicion, on voit un mauvais coup, pas tout. L'idormal, c'est pas bon. Non, parce que je pense qu'on peut plus ton nom pour nous chercher un mauvais coup, aller pour agir. Non, mais, la finalité du coup, c'est permettre le fonctionnement régulier des institutions de la République. C'est ça la finalité. Donc, nous dégagons le Parlement fait la loi dans tout domaine de l'intérêt général. Ok. Mais ou pas le ministère, l'architecture ministérielle qu'on a là, d'être de Duvalier, on pense que ça nous avons une architecture ministérielle qui répond à préoccupation de l'Haïti du 21e siècle. Et deuxièmement, quelqu'un qui a été aux élections, lui fait promesse, par exemple, il dit, si par exemple, il dit, par exemple, de ouais. Notre problème environnement. Nous disons nous sommes au ministère de l'aménagement du territoire. Et vous, nous, majorité dans le Parlement, par déjà passé. Et puis, le président pour merci à bloquer. Alors que c'est outil institutionnel qui en bas mené, il a besoin d'agir. Non, sérieux. Donc maintenant, tous les domaines de la loi, tout ce qui est liberté publique, tout ce qui est finance, tout ce qui est l'enseignement, tout ce qui est relations internationales, eh bien, tout ça, on est le domaine de la loi. Au moins, il y a un paquet de domaines, mais tout reste qui. Pas de grande incidence en termes de liberté publique, qui n'a pas de grande incidence qui a seulement pour améliorer les conditions de fonctionnement de l'organisation de l'État, bon, par l'organisation de l'administration, donc ce n'est pas voie réglementaire. Moi, je pense que c'est bien ça. On n'est pas le premier pays à le faire déjà. Ok, Doré, bon, même si quelques préoccupations, je ne parle pas de l'alimentaire, mieux en fait. Oui. L'article 107, Doré. 107. Bon, je vais mettre le livre pays. Et il a parlé de. L'organisation et le fonctionnement du pouvoir législatif. Article 107. Durant leur mandat, les députés jouissent de l'immunité dans les conditions et limites fixées par la Constitution. L'immunité parlementaire protège les députés dans l'exercice des attributions liées à leur mandat. Oui. Aucun problème. Nous voilà. Et aucune action ne peut être engagée contre un député pour des actes liés à ses fonctions et accomplis en qualité de parlementaire, même après la fin de son mandat. L'irresponsabilité du pour parlementaire. Pour ça, oui. Pour ça, la loi Bali pour faire. Tout à fait. Par exemple, enquêter. Oui.
mais prendre la parole, oui. Critiquer le gouvernement. Tout, tout à fait. Oui, oui, vous pas responsable ça. Oui. Les crimes. Pas poursuivi pour ça. Les crimes, délits et contraventions imputés aux députés sont poursuivis devant les juridictions du droit commun. Maintenant, est-ce que là, Doré, puisque dans le troisième paragraphe, là, dit qu'il n'y a pas qu'à arrêter ou qu'il action de peut-être engagé contre un député. Les vieux. Alors, pour les actions, il... l'affaire à chaque parlementaire. Tout à fait. Pour ça, la poser comme parlementaire. Ça, la constitution balie comme mandat. Maintenant. Mais si parlementaire a venu, il vient de tirer au monde. Oui. Alors, il vient d'aller, monsieur Val, il y a 10 hectares dans la Tibonite, monsieur allait le prendre 5 la dernière. Et puis, monsieur dit, c'est parlementaire, ou bien monsieur pour bon nec devant Zab devant la Bini. Non. Monsieur aussi, citoyen comme les autres. Vous savez que la responsabilité, quand on est au niveau de l'État, il y a 10 millions haïtiens qui ont fait le poste. Alors, il y a une chance qu'on gagne. Vous supposez intègre, un homme de moralité, un homme de vision et de respect. Donc, vous supposez gagner au groupe de vos modèles. Vous supposez représenter un modèle. Vous ne pouvez pas venir pour, en fait, violer tout ce que la société a pris des années pour le bâtir comme élément fondamental pour lui. Non, ce n'est pas le port. Ou alors, au contraire, c'est consolider. Donc, si vous venez, c'est parce qu'on vient prendre ou vient de poste pour venir faire des actions, la justice pénale est là. Donc, vous n'êtes pas protégé pour ça. Non, vous n'êtes pas protégé. La justice est là. Vous êtes un citoyen. Écoutez, moi-même, ma conception de la politique, c'est que quand on fait de la politique, c'est parce qu'on a une vision. On a des idées à partager. On va venir là pour venir faire abus. Ou bien pour utiliser position pour. Non, non, c'est pas ça. Et pas ça pour ça, citoyen. Vous voulez le améliorer, probablement éclairer davantage, faire débat avec vous. Si probablement vous avez un problème, vous ne comprenez pas, il faut faire pédagogie, ou expliquer, ou intervenir à la radio, etc. Si possible, écrire un article, ou bien aller faire un meeting, à contrario. C'est votre rôle politique. Ça, on ne peut pas poursuivre pour ça. Mais si vous pas dans un poste, ou bien conseiller président de la République, ou aller voir le rôle intermune, ou bien aller faire exaction, eh bien, poursuivez-vous. Ah oui! Ou bien parlementaire tout, il y a poursuivi vous, y compris le président, comme texte à lui-même, il protège le terrain, mais après il y a poursuivi lui, parce que c'est pas ça que vous faire comme mandat, c'est pas ça votre mandat. Votre mandat, c'est améliorer les conditions d'existence de la population. En termes de bonheur, elle a dit que vous comportement responsable par rapport à vous, et chercher projet pour le projet de travail, faire éducation pour la population, c'est pour ça que vous. Ah oui? Mais oui, alors en fait, pour qui ça, connaissant, j'ai payé à fonctionner, pour qui ça? Par exemple, le président lui-même comme chef du pouvoir exécutif là, il y a une possibilité. Il est violable. Ah oui, il est violable. Mais ici, là, député ou bien parlementaire, il n'est pas inviolable. On imagine, et Doré, un député qui a fait travail lui, et puis il y a une suspicion. Même si on va faire ça. Il y a une suspicion que le député ça a commis un crime. Non, il y a ça même que la justice non, pas. Non, il va arrêter pour ça. Mais ça a fait, il a fait enquête. Mais t'as pas dit ça. Non. Ça en flagrant délit, on va arrêter. Maintenant, si c'est pas en flagrant délit, ben par exemple, on a dit par exemple, nous on était bon, on a pris un cas, nous on cas qui était très emblématique, qui était fait bruit. C'est un monde qu'on connaît. Madame Benoît, t'es qui là et sous là bon frère là, grand pile monde qui a pris un si pas on peut gagner par le monde qui a pris un bon, qu'on y a là, il y a diligenté ou enquête. La justice, madame Bouna qui s'est victime, non, il peut te plaindre. Il y a une enquête, la justice a une enquête. Il y a peut-être des parlementaires. Il va vous vivre pour ça. Parce que vous savez, il y a un rôle pour faire débat politique en parlement. Contrôler l'exécutif. Vous pouvez faire enquête, etc. Mais pas vous voulez voler tout le monde. Il n'y a pas pour ça au côté. Donc maintenant, il donne un mauvais exemple aux citoyens. Non, il n'est pas de ses attributions liées à sa fonction. Non, là, il y a poursuivi pour nous. Mais nous d'accord. Oui. Président comme personnage politique, il a poursuivi l'arrêté après. Non, attends, le président de la République, par exemple, l'article 129, c'est pas du passant quelque chose, 129, non? Non, si vous faites Araba, exemple, du président, aussi, mais que monsieur, bon, lutte aussi, bon, bagaille, il y a un acte de corruption. La justice a fait enquête, lui. Maintenant, il n'y a pas le temps de l'émission automatiquement sortie, mais l'enquête n'est pas fermée. Attention, l'enquête n'est pas fermée. Une fois que la justice est saisie sur le dossier, la justice travaille. Puisque c'est le pouvoir qui est avec le pouvoir. Si on fait les choses, on va accepter avec les avantages et les inconvénients. C'est le pouvoir qui est avec le pouvoir. Donc, on fait des enquêtes, on commence à avancer. C'est comme ça. Bon, moi, je crois que le texte est plus ou moins équilibré. Ça, le recherche dans le texte, c'est le sens des responsabilités. Très important. Les élus doivent être responsables.
yo responsable de ça la loi ba pour faire. Deuxièmement, mais pénalement responsable si on fait bagarre que la loi interdit. Pas gagné nous autant de rapprocher les citoyens de la justice. La justice, y compris pour un citoyen ordinaire, y compris pour un gobalto, tout le monde sous même pied d'égalité. Si nous voulons bâtir état de droit, c'est comme ça pour avancer. C'est-à-dire chaque monde a une responsabilité pour avancer. Et puis gros toi nous fait payer, c'est parce que nous toujours dans passe pour qui, etc. Donc texte ça qui est fait que nous souhaitons que les citoyens comprennent mieux les livres, les avantages sont textes qui, pour moi-même qui essaie de rééquilibrer le pouvoir, qui essaie de responsabiliser les élus, qui essaie de mieux répartir les compétences entre les différents organes de l'État. Mm-hmm. Donc c'est là ça se fait pour nous avoir en démocratie et cap marché pour nous gagner la paix et la stabilité. Vous notre bagage oublié, la question de sécurité puisque c'est une préoccupation aujourd'hui et la défense est très 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 bien abordée. Page 42 et page 42 titre 7 et qui numéro gagne dans pour là. Ah, on parle là de la page 42. Non, qui article défense 216. Bon, là où est pour le 216, attends. Oui. Alors, les forces publiques, sécurité et défense. On a la question de l'armée, est confirmée dans ses attributions. Alors, ce qui est fait aujourd'hui, texte là, ou pas qu'on commande en chef, même Jean de Guin là. Le président de la République dans tout le pays, c'est lui le chef des armées. Dans le texte de là, où de bon commandant en chef, c'est le général. Non, ou bien on chef d'état-major. On voit que lui-même l'a choisi les membres de l'état-major, l'a proposé au président de la République qui a voulu dans le Parlement pour le Parlement ratifier le choix. Et où est le directeur de la police et qui a choisi parmi les policiers, pas qu'on est, et il a voulu pour le Parlement ratifier. Maintenant, on gagne le Conseil national de sécurité et on gagne le service d'intelligence pour payer à compléter. Pour nous qui a fait travail, pour l'État qui a fait travail, parce que nous disons le problème qu'il y a, c'est que l'État, depuis des années, l'État a abandonné l'aspect sécurité nationale. On n'est plus dans une logique de sécurité nationale depuis 1994. Cette notion-là, il bannit dans le vocabulaire politique, non. On n'est plus dans la logique de protection des droits fondamentaux. Bon, on sait pertinemment pour protéger les fondamentaux, c'est important, mais on doit avoir un cadre global plus large. Donc, le texte constitutionnel tel que prévu par le CCI, donc on retourne à ce concept de tout État sérieux de gain, le concept de la sécurité nationale, qui gagne les forces armées, qui gagne la police qui a fait interaction, il y a les services de renseignement qui a fait quatre bagailles. Et participer également à aider les pays sur le plan géostratégique et géopolitique. Et également collecter les informations, traiter et analyser les informations intéressantes de la sécurité nationale et protéger les intérêts fondamentaux de la nation. Tout ce qui est notre patrimoine culturel, tout ce qui est notre mode de vie, le mode des institutions, etc. Les intérêts fondamentaux de la nation. Donc là, c'est très désabordé la question de la sécurité. Et c'est mieux abordé, cette dimension, c'est mieux abordé par rapport à ce qu'on a fait dans les textes de 87. Mm-hmm. Dans les textes de 87, on dit bah, monsieur militaire, on dit aussi chef suprême, on est, on est le chef. Là non, il est condamné. Le pouvoir civil, c'est lui-même qui a contrôlé le pouvoir militaire. Mm-hmm. Donc moi, je crois que c'est très bien fait. Également, au niveau de l'administration, ce que fait le texte, l'administration est impersonnelle. Pour mon entrée dans des postes, maintenant aujourd'hui, tu passes tes concours. Concours, vous n'avez pas besoin de patron, etc. Vous avez passé concours forceux. Donc moi, je crois que NOFOFR pour permettre que l'État gagne les hommes qu'il faut à la place qu'il faut au niveau de l'administration. Nous pratiquement pas le fini, mais nous, est-ce pas ça, ce couple-là, compter? Oui. Organisons face à face, puisque au même jour d'hier là, on vient faire pédagogie. Oui, oui, etc. Même pas on même fait des bâtons. Même faire pédagogie mais, dans un moment. Oui, tout à fait. Mais puisque il y a des gens qui croient que Texas sont texte pour, en tout cas, c'est le projet de Jovenel Moïse. Non, c'est pas le projet de Jovenel Moïse. Ouais, c'est le...